devices, et va ensuite sur share les appareils, share what's happening partager here. Ce qui se passe ici. When you share your pictures on Facebook, put hashtag iMoveThatLife. Et une fois que vous partagez vos photos sur Facebook, put a hashtag iMoveBelgium. Let's share these pictures. Let's share the stories. Partagez les photos, les histoires, okay? Ce qui se passe ici. Yeah, and we're going to release very soon. Et nous allons publier très bientôt. We're going to release very, very strong app. Nous allons bientôt lancer une application pour la formation d'évangélisation and iMove. We're gonna put hundreds and hundreds of hours et nous allons of training des, to that app. Et nous allons mettre sur cette application des centaines et des centaines d'heures de formation. And ça va very être très professional cher, app. Très professionnel, une application très professionnelle. Yeah, and that app, Dr. Kevin reminds me, it's $50,000. So if you want to be a part of that, you're welcome. Let me know. Alors si vous voulez contribuer, faites-le-moi savoir. But we want to create a tool. We want to create a tool. Nous voulons créer un ustensile, un outil. You're going to be somewhere on a field. Vous pouvez être quelque part sur le terrain. And you want to find some answer. Et vous avez besoin de réponse. You will pick up your phone. Vous prenez votre téléphone. You can type that answer. Et vous pouvez taper cette question que vous avez. Et nous allons partager ces outils qui vont vous aider. Maybe you're going to pray and your question, what if I pray and nothing will happen? Et que se passe-t-il si je prie et que rien ne se passe? You will type that question. Vous allez taper cette and question. I'm pretty sure we're going to share some message that will encourage you. Je suis sûr que nous allons partager des messages qui vont vous encourager. How should I start? How to build comment my commencer? Team? How I can raise finances for comment my ministry? Je peux prendre gagner des financements justement pour mon ministère? How I can pray for the healing? Comment je peux prier pour la guérison? How I can invite people so they can share their testimonies? Comment inviter des personnes à partager leurs témoignages? So we want to create that tool that will donc encourage you. Nous voulons créer cet outil qui va vous encourager. So pray for us. It's going to be released in November. Ça va être publié au mois de novembre. Ça va apparaître au mois in de novembre. In November of 2018. De cette année 2018. And we will announce it and we will let et you know. Nous allons l'annoncer. Nous allons vous le faire, so vous le faire savoir. So for us to be able to communicate with donc you. Donc pour nous, pour pouvoir communiquer we nous need avec your email vous, address. Nous avons besoin de votre adresse email. We need you to sign up on our YouTube channel. Nous avons besoin que vous souscriviez à notre page YouTube. We're going to make available teachings of this. Conference nous and allons training. Rendre disponibles les enseignements qui ont été partagés ici. We're gonna make them available on YouTube for a certain amount of time for ils free. Vont être disponibles sur YouTube pendant un certain temps gratuitement. So and we're gonna release every event that we conduct. We're gonna put on et YouTube. Et tous les événements que nous allons avoir par la suite, nous allons les mettre sur YouTube. So it's very simple. iMoveThatLife. Donc c'est très très simple. iMove. Live. Go to on Instagram, go vous to Facebook, Instagram, go to YouTube, Facebook, go YouTube, to Twitter and just find iMove.live. Et cherchez juste iMove.live. 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 And also Belgium. Belgium team, they've launched iMove Belgium. Et l'équipe de Belgique a lancé iMove Belgium. Please go and sign up to that channel allez-y as well. Allez-y et inscrivez-vous, because we are preparing an event in 2019. Parce qu'on prépare un événement pour 2019. And we're going to recruit all of you. Et nous allons tous vous recruter. You're going to be an organizational committee for that event. Vous allez faire partie du comité d'organisation. Are you ready for that? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? You're going to be the first volunteers and organizational team in 2019. And we're going to put more and more information so you will be always fed with that information, okay? And if you like what happened, just put your like et and si vous share aimez with ce qui your se friends. Passe, mettez un like et partagez avec vos amis. Let's grow this movement. Faisons grandir ce mouvement. Let's grow this movement. Faisons grandir let's ce bring mouvement. An awareness, okay? Amen. 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 Okay, I'm not going to take more time, and I would like to. Plus de temps. I promise to tell you about the je gift. Promets but que je vous en dis. Je vous I en have to do it later. Pour le cadeau, mais je vous le dirai plus tard. Because I would like to invite on this parce platform. Parce que j'aimerais inviter. Dr. Kevin McNulty. Dr. Kevin. One second. Un instant. Apostle Daniel has something Pastor to announce. Pasteur Daniel a quelque chose à partager avec nous. Alléluia. Avant d'amener le grand homme de Dieu. Before inviting the great man of God.
Je vais vous dire quelque chose. I would like to share something with you. Cet homme-là, this man, quand il parle, when he speaks, il faut prêter vraiment attention. You must be careful. You must pay attention. Il donne des semences. He gives you seeds. Amen. Amen. Il faut pas rater ces semences. Do not miss that seed. Amen. Amen. Il parle calmement. He speaks slowly. Mais vraiment, but really, il y a des secrets. There are secrets cachés dans ses paroles. Hidden in his word. Amen. Amen. J'ai vraiment cette fardeau. I do have this burden. De partager ça avec to vous. To share this with you. Et le plus tôt, le mieux. And the sooner the letter. Trop the better. Tard, ça sera déjà trop tard. Otherwise, it will be too late. Amen. Amen. Quand il parle, when he speaks, il faut ouvrir you gotta pay attention. Les oreilles. Open your ears. Hier, yesterday, il a dit quelque he chose. Said something. Comment il a commencé son how ministère? Did he start his speech? His preaching. Il faisait des autostop. He was doing mais il y a un secret derrière ça. Are you checking? But there's a secret. Il y a un secret. Il y a un secret derrière ça. There's a secret behind this. Le secret c'est quoi? The secret. What is the secret? Il a eu. He have had. Il a reçu une inspiration. He received personnelle. Some inspiration, a personal inspiration. C'est pas aucun pasteur. No pastor. Qu'il told ce qu'il him a to fait. Do what he did. Il a reçu cette inspiration, inspiration personnellement. Personally. Tu as besoin d'avoir cette inspiration so you need to have one inspiration, one personal inspiration. Tu n'es pas appelé d'être la photocopie de quiconque. You don't have to be to copy anyone. Et alors, quand tu l'écoutes, but when you listen to him, tu auras cette étincelle. You receive this sparkle. Et c'est cette étincelle-là and this sparkle qui va faire de toi is going to turn ces grandes personnes de demain. Into that great man or woman of God. Ces personnes que ce pays a besoin. That men and women nous ne this sommes country, pas ici pour aucune église. For no church. We are not here for a church. Nous sommes ici we are here pour avoir, pour être en fait pour saisir cette vision. We are here to seize this vision. Pour notre nation. For our nation. Pour la France. For France. Pour la Belgique. For Belgium. Pour l'Allemagne. For Germany. Luxembourg. Holland, Luxembourg. Les continents. All the continent for Europe. Mais je vous garantis quelque chose. But I'm going to guarantee you. Si vous prêtez attention. If you pay attention. Vous n'allez pas quitter ici. You won't leave this place. Sans porter cette grossesse. Without carrying this pregnancy en vous, in you pour l'Europe, for others ça va for Europe is going to happen in here. Hier, il a dit yesterday choses. He said aujourd'hui things, today et continue he's going to continue à le dire encore by saying more things. Amen. 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 S'il vous plaît, so please ne ratez pas, do not miss it, votre occasion, do not miss this opportunity. Quand il a terminé avec l'autostop, finish. Il a changé de stratégie. He changed his strategy. Il faisait des bars. And he was sitting in Dunkin' Donuts bars. Après, il a and changé de stratégie. He changed his strategy. Il faisait les tribus. And he will go in Indian tribute. In des Indian Indiens. Village. Le Seigneur n'a pas seulement une seule stratégie. Well, the Lord doesn't have only one strategy quand for tu you. Apprends à écouter. When you learn to listen. Tu vas pas faire des choses sur dans une manière seulement. You won't do things only one way. No, that's tu not the Lord. Tu seras pas carré. No. Tu seras flexible. You'll be flexible. Tu auras l'esprit de l'invention. You have l'esprit de la créativité. Of creativity. S'il vous plaît. Visionary. So please. Il faut saisir you quelque need to chose see something avant here de quitter before ici. Leaving this place. Nous avons besoin d'avoir des fous qui we vont need quitter to have ici. Crazy people that will leave this place. Pas des hommes sages. Not wise men. Mais des fous pour le royaume. Fool people for the kingdom. Est-ce que tu es ici? Are you here? Crie avec moi, alléluia. Shout with me, alléluia. Ok, allez, il arrive. Oh, he's coming.
Il arrive, il arrive. Acclame très fort, acclame très fort. Amen. On ne peut pas s'endormir avec un prédicateur comme l'apôtre Daniel. Alléluia. While you're standing up, raise your hand. Pendant que vous êtes debout, levez la main. Say I'm alive. Dites je suis vivant. Alert. Je suis alerte. Awake. Je suis réveillé. And enthusiastic. Et je suis plein d'enthousiasme. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For a revelation. Pour une révélation. So I walk out of this tent. Quand je quitterai cette tente, a different person. Je serai une différente personne. In Jesus' name. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Pouvez-vous asseoir. There are 11 provinces in Belgium. Il y a nine provinces in 9 Belgium. Provinces en Belgique. And I expect that there'll be 9 teams that will walk out of this tent. Et je me serais attendu que 9 équipes puissent quitter cette tente. There'll be 9 leaders that will lead those teams. 9 leaders qui vont conduire diriger ces équipes. And they will focus on those provinces. Et qui vont se focaliser sur ces provinces. And they will win that province. Pour gagner ces provinces. And that will then spark them to go to something in France. Et ensuite ça va les préparer pour aller vers quelque chose en France. And our friends from France will tell us which provinces of France to go. Et alors nos amis en France vont leur indiquer quelle province, dans quelle province aller. 95 tents. 95 départements en France. What do they call the regions in France? Comment est-ce qu'on appelle les régions en France? Region. Les régions. Okay. Well, You got to start in your own backyard, which is Belgium. Tu dois commencer dans ton propre jardin, qui est la Belgique. But you're not going to stay where you start. Mais tu ne vas pas rester où tu as commencé. But you've got to establish yourself. Mais tu dois t'établir. Understand your skill sets. Comprendre tes capacités. Okay. Plan your team. Et planifier ton équipe. And before I start preaching, I got to tell you something. Avant de commencer à prêcher, je dois vous dire une chose. Every morning, chaque matin, I pull out one of these. Je prends un de ces papiers. Okay. Voyez. You see what it is? Vous voyez ce que c'est? You can't read it. It's in English. Vous pouvez pas lire. C'est en anglais. But it's just a list. C'est juste une liste. Okay? My big rocks. It says my big rocks. Mes gros rochers. The things I have to accomplish today. Donc les choses que je dois accomplir aujourd'hui. My smaller rocks. Et mes plus petits rochers. The things I would like to do if I had time. Les choses que j'aimerais faire si j'ai le temps. My contacts. Mes contacts. Who I need to talk to. À qui est-ce que je dois parler today. Aujourd'hui. Huh? How many of you have one of these? Combien de vous ont ce genre de liste? And then I have a whole list. Et puis j'ai toute une liste. Of things that need to be done. De choses qui doivent être faites. And then I have a schedule. Et puis ensuite j'ai un agenda, un programme. For the day. Pour la journée. And for the month. Et pour le mois. Okay. And then if I fill that up, I start writing on the back. Et quand j'ai rempli le recto, alors j'écris au verso. But every day. Mais tous les jours. I write on these. J'écris sur ce genre de papier. Why? Pourquoi? Because as you Parce get bigger, as you get more active. Au fur et à mesure que vous grandissez et que vous devenez de plus en plus actif, you don't want to forget what you're supposed to be doing vous that ne voulez day. Pas oublier ce que vous êtes censé faire. Right now, I'm overdue on a book. Maintenant, j'ai dépassé le temps que je devais prendre pour écrire un livre. I had a book called Unlimited. Un livre qui s'appelle Illimité. It's a great book. Et c'est un livre formidable. When I read it, quand I like lis, it. Well, je l'aime. That's an encouragement to me. Ça m'encourage. C'est un encouragement pour moi-même. That I like what I'm reading. Et j'aime ce que je lis. And but you know what? Mais vous savez quoi? I got so excited about it, I kept writing it, and it's 600 pages. Je suis tellement enthousiasmée par ce livre et je continue à écrire et à écrire et ça fait déjà 600 pages. Nobody reads a book 600 pages. Personne ne lit plus des livres de 600 pages. So I've had to cut it back down to 300 Donc, pages. Donc j'ai dû couper pour réduire à 300. And then I was having a hard time putting it together. Et ensuite j'avais beaucoup de mal à tout mettre ensemble. So I called a friend of mine who was 1,000 miles away. Alors j'ai appelé un ami de moi qui est à 1,000 km.
He for a living, he cuts grass. Et alors il tond le gazon en fait pour vivre, c'est son travail. You say, why is he your friend? Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est ton ami? Because he has a way of talking and especially a way of writing that I love. Parce qu'il a une façon spéciale de parler et surtout une façon spéciale d'écrire que j'aime beaucoup. How do you know that? Comment on sait ça? Because I know how he thinks. Parce que je sais comment il pense. So I decided I got to finish this book. Alors je me suis dit je dois terminer ce livre. So I called up his pastor. Donc j'ai appelé son pasteur. As a pastor? En tant que pasteur? I need your grass cutter. J'ai dit pasteur, j'ai besoin de ton tondeur de gazon. I got to finish a book. Ton jardinier, je dois terminer un livre. Free him from his job for 2 weeks. Libère-le de son travail pour 2 semaines. I'll come over to, et moi je vais venir. To Phoenix. Je vais and I'll work with him 8 hours a day on a book. Pour travailler avec lui 8 heures par jour sur ce livre. But he has to know that he's getting paid. Mais tu peux lui faire savoir que il sera payé. He said it's done. Il a dit OK, c'est fait. Come. Viens. He needs to write. Il a besoin d'écrire. So I just jumped on a plane. Alors j'ai sauté dans un avion there, et je suis allé là-bas. And the church, there was some workers in the church. They gave me a room to sleep in. Il y avait certains travailleurs dans l'église. Ils m'ont donné une chambre où dormir. I set up a little table in the backyard. Donc j'ai préparé une table. I called my friend. À l'arrière du jardin, j'appelais mon ami. And for 8 hours every day. Et pendant 8 heures tous les jours. We just wrote. Nous écrivions. Now I'm just 6 pages away from finishing the book. Et maintenant, il me reste juste 6 pages pour terminer ce livre. Alléluia. And that will be available sometime this year. Et il sera disponible quelque part encore au courant de cette année. I've just got to get home to finish it. J'ai juste besoin de rentrer à la maison pour pouvoir terminer. But I have another at least 12 books waiting right now. Il y a une autre liste de livres qui m'attend. I come from a family of writers. Je viens d'une famille d'écrivains. My father was the copy editor for Detroit News. Mon père était l'éditeur principal du journal principal de Détroit. My oldest brother was the international editor for Chicago Tribune. Mon grand frère était l'éditeur international pour la Tribune Chicago. My second oldest brother, Brian, he was the editor for Bates University and 2 other universities. L'éditeur de l'université de Bates et 2 autres universités. And so I come from donc je viens a family d'une famille that is, likes writing. Qui est littéraire, une famille littéraire. I believe they understand what I'm writing about. Et je crois que j'espère qu'ils comprennent ce que j'écris. It's not the daily news, but it is news. C'est pas le journal, mais c'est les c'est aussi but une sorte listen, de journal, de nouvelles. When you have a thought, quand tu as une pensée, or you're reading and a scripture jumps out at you, ou que tu lis et puis il y a un passage qui te frappe, stop. Arrête-toi là. Stop. Arrête-toi là. And you should always. I'm tu devrais really, toujours. I'm looking at you. Je vous regarde. You should always. Vous devriez toujours. Say with me, always. Dites avec moi toujours. Have a pen with you. Avoir un bic avec vous. If you were, you know, I've been doing evangelist conferences for 20 years. Je fais des conférences d'évangélisation depuis 20 ans. I don't know if there are anybody here that are in my conferences. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a jamais été dans mes conférences. There's nobody here, is there? Personne ici, hein? Anybody here that is in one of my conferences? I don't see one person. Je ne vois pas une seule personne qui a été dans mes conférences. We have a lot of, well, Olga. Olga. Jacob here, yeah. Jacob. He actually has to orchestrate it. Et ben c'est lui qui doit organiser tout en fait. But and Kirill's here. Et Kirill aussi. And Ina's here. Ina. Yeah. So there are a few people from donc, the conference. Donc il y a quelques personnes qui every year, right? Donc chaque année. Hein? Sometimes twice a year. Et parfois 2 fois par an. Olga, should we invite everybody to this conference? Olga, est-ce qu'on devrait pas inviter tout le monde really? À cette conférence? Ouvrir ces can we invite oh, Ina? On peut inviter tout le monde. Can Ina? we have a platform where everybody can be in that conference? Est-ce qu'on peut avoir une plateforme où tout le monde peut être assisté à ces conférences? Platform's not for everybody. La plateforme pas pour tout le monde. Okay, you decide and alors tell vous me décidez who it's et vous for. Me dites. Okay. Better be nice to Olga. She's going to make a decision. C'est Olga qui doit donc soyez gentil avec Olga, c'est elle qui va prendre la décision. But we do training. Donc on fait des formations. And you have to. Et vous devez. You have to keep up. You have to keep intelligent. You have vous devez to keep rester growing.
vous devez rester prêt, de rester intelligent et grandir. We are creating a whole another dimension by adding 50 states. De créer toute une autre dimension en ajoutant 50 états à toucher avec notre projet. And then we're just probably going to go back to Africa. Et probablement que nous allons retourner en Afrique. I like Africa. J'aime l'Afrique. Hallelujah. You know Leslie, have you heard her speak? Vous savez Leslie, est-ce que vous l'avez écoutée? Yeah. Do you know that she had it in her heart to go on TV? Elle avait dans son cœur donc d'aller à la télé. Did she tell you this? Est-ce qu'elle vous a raconté ça? That she vous a parlé de ça? She said we need to go on TV. Elle a dit on doit aller à la télé. And she started to call people who are TV specialists who are on TV in America. Et elle a commencé à appeler des personnes donc qui travaillent à la télé aux États-Unis. And she said I want to go on TV in India. They have a billion people. Je veux aller à la télé en Inde, ils ont 1 milliard de personnes. And they are finally in the age where every village has its own TV. Et ils sont arrivés au temps où chaque village a sa télé. And so she says we should go into every village. Elle a dit on devrait aller dans tous les villages de l'Inde. I said okay. Okay. And she said, so let's invite the experts over to our studio. Invitons les experts dans nos studios. And get an opinion from them what et we're doing. Pour avoir une opinion, leur avis. So the experts came over. Donc les experts sont venus. And they wrote 25 reasons why we're going to fail. Et ils ont écrit 25 raisons pour lesquelles nous allions rater, échouer. And I looked at Leslie. Et donc le docteur Leslie. And we both looked at each other. I said, we're on the right path. Et nous donc Leslie et moi on s'est dit on est sur le bon chemin. You know why? Vous savez pourquoi? Because people who are in the industry already are locked in. Parce que ceux qui sont dans l'industrie sont déjà bloqués dans leur they système. They stopped thinking of a creative way of doing. Ils arrêtent de réfléchir à des manières créatives de faire les choses. So we knew we were on the right path. Alors nous savions donc leur réaction pour nous c'était une confirmation. It was a path no one had ever taken. On savait qu'on était sur le bon chemin. It's kind of like Fred. It's a path that nobody's ever done. C'est comme Fred, un chemin que personne n'a jamais pris. Pensé. So we did not get discouraged. Leslie got two lawyers in India. On a Leslie a contacté deux avocats en Inde. And we did not go on Christian TV. Et nous ne sommes pas allés vers les télés chrétiennes. We went on secular TV. Nous étions sur les télés dans le monde séculaire. And we asked the lawyers. Et nous avons demandé au Seigneur. We re-evaluate every program because we don't want to be blacklisted by the country. Nous avons évalué tous les programmes TV parce que nous ne voulions pas être bloqués par le pays. And so they protected us donc, by telling us if you say this, the government will kick you out. Ils nous ont protégés en nous disant, OK, si vous dites ceci, le gouvernement va vous arrêter. I don't have the patience that Leslie has. J'ai pas la patience que Leslie a. She kept working. Elle a continué à travailler avec. I tell you this. Et je vous le dis. Because what you're about to do is going to take some work. Ce que vous êtes sur le point de faire, ça va nécessiter du travail. It's going to take some new thinking. Ça va nécessiter de nouvelles pensées. You have 9 districts, 9 provinces. Vous avez 9 provinces ici en Belgique. You're going to have to get creative how to reach one. Donc vous allez devoir être créatif sur comment pouvoir atteindre une province. And then use that to double. Et utiliser cela pour doubler, so multiplier, pour que ça puisse s'étendre. But you've got to start somewhere. Mais vous devez commencer quelqu'un. Start right here. Commencez ici. Amen. Amen. Well, you know, Leslie got on that TV. Donc in Leslie India. Est allée à la télé en Inde. Do you know, in 3 months, she was number one on 2 stations in India. Et en 3 mois, elle était numéro 1 sur 3 stations télé en Inde. Can you believe that? Est-ce que vous pouvez croire cela? Listen, what he just said. One of them was a news channel. L'une de ces chaînes télé, c'était une chaîne de the top c'était news le journal. Channel c'était la chaîne de journal numéro 1 the country. Dans le pays numéro 1. The second one was a business channel. Et la deuxième chaîne télé, c'était une chaîne d'affaires. Nothing to do with Christian channels. Ce qui n'avait rien à voir avec les chaînes chrétiennes. Go where the sinners go. Allez là où les pécheurs sont.
Business. Les affaires. News. Le journal. Bring them some good news. Et apportez-les de bonnes nouvelles. But bring it in a way that they could respond to it. Mais apportez-le d'une façon qu'ils peuvent le recevoir. What type of news do we have? Quel genre de nouvelles est-ce que nous avons? Only one type. Juste une seule sorte de nouvelle. Good news. C'est une bonne nouvelle. Good. Bonne how, nouvelle. You know, no matter how bad the people were, Jesus never seemed to insult them or put them down. Vous voyez, peu importe à quel point les gens étaient mauvais, Jésus ne les insultait jamais, il ne les rabaissait jamais. C'était des prostituées, des voleurs. If they were murderers, même si c'était des meurtriers. He didn't get upset with them. Il ne se fâchait pas contre eux. The only ones he spoke down to were the religious ones. Les seules personnes à qui il parlait durement, c'était les personnes religieuses. He says, "Get out of that." Il leur disait, religious box. Sortez de cette boîte Amen. Religieuse. Amen. Pray for us. Priez pour nous. Pray for India. Priez pour l'Inde. And then go to India. Et ensuite, allez en Inde. What's that? Oh, I know. Okay, we're going to talk now. Okay, on va parler maintenant. And somebody's got to give me a little time warning. Et quelqu'un doit me donner des signaux pour le temps. All right, are you? 40 minutes, okay. 40 minutes. And then put a little sign. This is. You should all have this. Vous devriez toujours toutes avoir. Every one of you preachers. Un signe. Toute don't, personne qui don't prêche. Preach without somebody telling you the time. Ne prêchez pas sans que quelqu'un vous indique le temps. Sometimes I have two of them warning me. Parfois j'ai besoin qu'on me rappelle, fasse rappel. 10 minutes. 10 minutes. That's nice. 5 minutes. 5 minutes. Okay, that's more important. Ça devient sérieux. 1 minute. 1 minute. That one you got to pay attention to. Et puis là il faut faire attention. You're a preacher. Say I'm a preacher. Et vous dites vous prêchez, non, je ne suis pas un prédicateur. Dis que je suis un prédicateur. Yeah. What do you need if you're a preacher? Alors, de quoi as-tu besoin si tu es un prédicateur? You need a pen. Un stylo. You see me all the time whenever I'm not talking, I'm writing. Vous voyez tout le temps quand je ne suis pas en train de parler, je suis en train d'écrire. You better have paper. Vous devez avoir du papier. Because you're not going to remember. Parce once you walk out those doors, vous n'allez pas vous souvenir quand vous allez sortir d'ici. Within 4 hours, you'll have forgotten 80% of what en 4 heures, vous aurez oublié 80% de ce que vous avez entendu. Tomorrow, you'll have a feel good. Oh, it felt good. It felt demain, good. Vous aurez un sentiment de bien-être. Vous allez vous what sentir bien. It? Et mais c'était quoi en fait? En I don't temps? Know, but it felt ah, je good. Je sais plus, mais je me sens bien. No, you got it. Non, if vous you, devez. Something touches you. Si quelque chose vous a touché, write it. Vous devez l'écrire. Say it. Think, pensez-y, and then say it your own way. Et ensuite, redites-le avec vos propres paroles. Because you're not going to say it the way I say it. Parce que vous n'allez Amen. Pas le redire de la façon dont moi je l'ai dit. Identity. Donc l'identité. Your ID. Votre identité. I have so many wonderful notes here. J'ai tellement de notes merveilleuses ici. Someday I'm going to put it in a little book, and you un jour je vais book. Les combiner en un livre. Your ID. Votre identité. Identity. Your IQ. Votre QI. That's intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Information. Intelligence. L'information. That's what you know. C'est ce que vous savez. That's how you call it. Your IQ. You know something. C'est le QI. Some vous, people vous have savez higher, quelque chose. Some people have higher IQs than certaines others. Certaines personnes ont un QI plus élevé que d'autres. Doesn't matter. God will use you wherever you are. Peu importe. Dieu va vous utiliser quel que soit Amen. Votre niveau. My goodness, I have 20 pages on your IQ. J'ai 20 pages sur le QI. Your I can. Votre je peux. Listen, without acting, your ministry is nothing. Si vous n'agissez pas, votre ministère est zéro. You must conclude that what you say que ce que vous dites is a result of who you est are. Est le résultat de qui vous êtes. And when you say it, et quand vous le dites, that is the voice of God. Alors c'est la voix de Dieu. Do not let anybody. Ne laissez personne. I don't care if it's the president of the nation. Peu importe si c'est le président d'une nation. I've talked to plenty of presidents. J'ai parlé à plusieurs of présidents. Nations. Beaucoup de présidents they de nations. They need God. Ils ont besoin de Dieu. You pull them aside. Vous mettez de côté, si vous les prenez de côté. And they desperately want to know how ils veulent to connect désespérément to God. Savoir comment se connecter à Dieu. And they lead nations. Et ils conduisent, pourtant ils conduisent des nations. What you have is the most important stuff that the people of the world want. Ce que vous avez, c'est la chose la plus importante que les gens du monde désirent. In public, they might not say that. En public, ils ne vous le diront pas. Take them to a cafe. Mais amenez-les dans un café, donnez-leur une tasse de café.
and let them speak their heart, what et they laissez really leur parler, libérer leur cœur. Your I can. Votre je peux. Your, it's your possibilities. Ce sont vos possibilités. Amen. Amen. Hallelujah. And there's more. Et il y a plus encore. Hallelujah. We'll start with the identity. On va commencer avec l'identité. Could you grab that? I think my glasses are in that. Mes lunettes sont dans le. That black bag. Unfortunately, I don't need them when I'm talking, but I do when I'm looking. Je n'en ai pas besoin quand je parle, mais quand je lis, j'en ai besoin. I got three pair in here. I get one. Okay, here we go. Listen. Écoutez. How you see yourself is how you see the world. La façon dont vous vous voyez, c'est de cette façon-là que vous voyez aussi le monde. If you're down on yourself, I want si, you to si vous really vous méprisez, écoutez-moi vraiment. If you're down on yourself, si you're down on the world. Si vous vous méprisez, vous méprisez le monde. If you criticize yourself, you are criticizing the world. Si vous critiquez, vous critiquez aussi le monde. If you are mad at yourself, then you're mad at others. Si vous êtes fâché contre vous-même, alors vous serez aussi fâché contre les autres. If you don't believe in yourself, then you won't believe in others. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne croirez pas non plus aux autres. What do you have to do? What's your solution? Que devez-vous faire alors? C'est quoi la solution? Embrace vous devez embrasser qui vous êtes in Christ. En Christ. Embrace that. Embrassez cela. You're going to have to let the old person die. Vous devez laisser l'ancienne personne mourir. Paul the murderer said, "I am crucified with Christ." Paul le meurtrier a dit, "Je suis crucifié avec Christ." Nevertheless, I live. Néanmoins, je vis. Yet not I, but néanmoins, Christ pas, in pas me. Moi, mais Christ en moi. I said, "Hey, Paul, you're je a killer." Je dis, mais Paul, tu es un meurtrier. And he says in the scripture, "No, I have harmed no one." Il dit, non, je suis plus celui-là. Wait a second, Paul. Mais you put him seconde. In prison. You burned him. You, tu les as mis en prison, you, tu les as brûlés. Tu as tué les familles. No, that wasn't me. Non, ce n'était pas moi. That was Saul. Non, c'était Saül. I'm Paul. Moi, je suis Paul. Saul died. Paul est mort. I am crucified. Je suis crucifié. Listen, your écoute, old person might have to die. Ton ancienne personne doit peut-être mourir. Stop treating it nice. Arrête de le traiter gentiment. Let your past die. Laisse le passé mourir. And look to the future. Et regarde vers le futur. Amen. Amen. Hallelujah. See Christ. Vois Christ. See yourself. Vois toi-même. See the world. Et vois le monde. The world is waiting. Le monde attend. The world is waiting. Le monde attend. The world is waiting. Le monde attend. If we are having a meeting right here, si nous avons une réunion ici, okay? Et puis je vois de l'eau là, we're enjoying ourselves hearing the word of nous God, sommes en train de profiter du temps ici avec la présence de Dieu, la parole de Dieu. And all of a sudden you hear a scream, et puis tout d'un coup on entend un cri. And there's a little three-year-old that's fallen into that water right et puis un there. Petit garçon de 3 ans qui est tombé dans l'eau là. What would you do? Qu'est-ce que vous feriez? Would you get up from your chair? Est-ce que vous allez vous lever de votre chaise? I got this important word I'm ou bien vous to. Allez dire, oh non, ce message est important, je dois l'écouter. Listen. Écoutez. I would jump off this and I je would go sauterais jump in de cette water. Plateforme et je sauterais dans l'eau. I would save that soul. J'irais sauver cette âme from dying. De la mort. Wouldn't you? Et vous? Huh? How many would combien get up d'entre out of the vous chair se and lèveraient go? Pour aller dehors? Je ne sais pas nager. Then you would die nobly. You would go. Alors you tu vas mourir noblement. It's a noble way to die. C'est une façon noble de mourir. But listen. Mais écoutez. That is the condition. Ça c'est la condition. Of the world around us. Du monde qui nous entoure. In this society. Dans cette here. Société ici. Only 4% are actually in churches where they can hear, even if it's just somebody reading the Bible. But it might not be a good witness, but at least they're going, 4%. Seulement 4% sont dans des églises où ils peuvent entendre la parole, même si ce n'est pas forcément quelque chose de génial ou quoi, mais au moins ils peuvent entendre un petit peu de la parole de Dieu. But that means 96 out of every 100 are not getting fed, and if you don't get fed, you die. Ça veut dire que 96 autres ne sont pas nourris par la parole de Dieu, et si ils ne sont pas nourris, ça veut dire qu'ils meurent. I don't know in France. How many in France? Je ne sais pas combien en France. Quel est le pourcentage en France?
99,5% n'entendent pas l'évangile. They never heard. Ils n'ont jamais entendu l'évangile en France. You know my friend, you know him, Sony. Tu sais, mon ami Sony. He went across. I asked him. Il a traversé. Je lui ai demandé d'aller en France. He went across the top of France. Il a traversé le nord de la France. You know, he said he couldn't find a church in the villages. Et il a dit n'a pas pu trouver d'église. Il n'avait pas d'église dans les villages. He had to go to the bars to preach. Et il a dû aller dans les bars pour prêcher. Yeah, it is a good place. In Spain, I used to preach in the bars. En Espagne, je prêchais dans les bars. You know? It's a place where people go. C'est un endroit où les gens vont. Amen. Amen. I'm not telling you to go there for anything je else. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller là. Christianity is not what you believe. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous pensez. Listen, Christianity Écoutez, is not what you believe. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous pensez. Christianity is what you do C'est with ce what you believe. C'est ce que vous faites avec ce que vous pensez, avec ce que vous croyez. You got to rethink that. Il faut réfléchir à ça. There are two ways to distinguish that distinguish you. Il y a deux choses qui vous distinguent. Two things. Deux choses qui vous distinguent. Two things you have to have well done in your life. Deux choses que vous devez avoir, vous devez bien avoir dans vos vies. Answered prayer. Les réponses aux prières. We're the only spiritual force. Nous sommes la seule force spirituelle dans le monde. That expects answered prayer. Qui s'attend à une réponse à ses prières. Buddhists don't expect answered prayer. Les bouddhistes ne s'attendent pas à une réponse. Muslims don't expect les musulmans non plus. Shintoists don't expect les shintoïstes non plus. All the isms and all the others. Toutes les religions de l'islam. Groups. Ou tous les autres groupes ne s'attendent pas à obtenir des réponses à leurs prières. But over and over, Jesus said, whatever you ask the Father in my name. Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. He will do it for you. Il le fera pour vous. Why? Pourquoi? Because he glorifies his son Jesus by answering your prayer. Parce qu'il glorifie son fils Jésus en répondant à vos prières. Your father, votre père, wants to glorify your savior. Votre sauveur. How can he do that? Comment est-ce qu'il peut le faire? By answering your prayer. En répondant à vos prières. So don't forget that. Donc n'oubliez pas cela. Start praying. Commencez à prier. Father, you want me to have what I want. Tu veux que j'obtienne ce que je désire. I was preaching in Crimea. Je prêchais en Crimée. I had a woman interpreter for me there. En Russie, j'avais quelqu'un qui interprétait pour moi. We did about 20 meetings. Et nous avions environ 20 réunions. After about 9 meetings, après environ 9 réunions, elle s'est tournée vers moi. And she says, elle a dit, I am beginning je commence, to believe what je commence you're à croire. Je commence à croire ce que tu dis. I said, you haven't believed what I've been saying. Et donc je lui ai dit tout ce temps tu ne croyais she pas said, ce que je disais. She said, no. Elle dit non. I said, we have been under subjection for all my life. J'ai été sous soumission toute ma vie. We have no expectation of a future. Et nous n'avions aucune attente du futur. Mais en t'écoutant, je commence à croire qu'il y a un avenir, un futur. She said, elle a dit, I'm going to pray. Je vais prier. And I thought, okay, I'm going to get in there and pray with her. Et je me suis dit, ok, je vais aller et prier avec elle. She says, no. Elle a dit, non. No. Non. You're not going to pray with me. Non, tu ne vas pas prier avec moi. I said, I'm not. J'ai dit, non. She goes, no. Elle dit, non. I need two things. Non, j'ai besoin de deux choses. I need a tape recorder. J'ai besoin d'une machine pour enregistrer. Because I want to tape record these meetings. Parce que je veux enregistrer ces réunions pour pouvoir les réécouter. And I need, what was the other thing she needed? Et c'était quoi la deuxième chose encore? There was something I can't remember what il y avait une deuxième chose qu'elle voulait, je ne peux pas m'en souvenir. But it was something simple. Mais c'était quelque chose de simple. And I said, well, okay, I won't pray with you. Et je lui ai dit, ok, je ne prierai pas avec toi. And she prayed all by herself. Elle a prié donc toute seule. And I got a letter from her. Et j'ai reçu une lettre d'elle plus tard. And both prayers. Et les deux prières. The other prayer was her family. La deuxième prière, c'était au sujet de sa famille. Had been waiting sa famille attendait for 40 years depuis 40 ans to get a telephone. Pour avoir un téléphone. She goes, I am going to pray. Elle dit, je vais prier. You have showed me how to pray. Tu m'as montré comment prier. I got this message from her. J'ai encore ce message qu'elle m'a envoyé. That after I left, donc après que j'ai quitté l'endroit, some people came in, new people came in. De nouvelles personnes sont arrivées.
And when they come in, they're assigned, people who are in the church assigned to the new people. Et donc quand de nouvelles personnes arrivent, certaines personnes de l'église sont désignées pour s'occuper de ces personnes. So she was assigned to this lady. Donc elle, on l'a assignée. Who had just given her heart to the Lord. Donc elle devait s'occuper de cette dame et elle venait juste de donner son cœur au Seigneur. And the lady was so happy. Et la dame était tellement heureuse. She goes, I'm so happy. Elle disait, je suis si heureuse. What can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour you toi? Have given me life. Tu m'as donné la vie. What can I do for Qu'est-ce you? Que je peux faire pour toi? And she, then the lady said, I work for the telephone company. Et cette dame a dit, do you need a phone? Je travaille pour une compagnie de téléphone. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? 40 years 40 waiting ans for a qu'ils attendaient d'avoir un téléphone. She had a phone in 24 hours. Et en 24 heures, elle a obtenu son téléphone. Now, is that God or what? Est-ce que ça c'est pas Dieu ça? Praise the Lord. That woman was convicted that she can get answers to prayer. Cette dame était convaincue qu'elle pouvait obtenir la réponse à ses prières. She entered into a whole new world. Et elle est entrée dans un nouveau monde. It's called answered prayer. Qui est le monde des prières répondues. Not begging. Pas supplier. Not sacrificing. Pas faire des sacrifices. Not looking for somebody else. Pas chercher quelqu'un d'autre. But you. Mais toi. And your relationship. Et ta relation avec Dieu. Say, you raise your hand and say, I am connected. Dis, je suis connecté. You are connected. Tu es connecté. And you can walk as tall, as strong, and you can speak as far et as tu, the tu peux, eye tu can peux marcher see. Avec force, avec assurance, et tu peux voir aussi loin que je vois. And God will hear your prayer. Et Dieu entendra, écoutera tes prières. Both answers came within a week. Et ces deux réponses, ces deux prières ont été exaucées en une semaine. Somebody else dropped the box at her place. Quelqu'un d'autre a amené une boîte, quelqu'un a amené la boîte chez elle. And it was a tape recorder. So et c'était un magnétophone. So she could listen, pour enregistrer. Record and listen to the messages. Donc elle pouvait enregistrer et réécouter les messages. Both answers in one week. Les deux prières ont été exaucées en une Is semaine. There a God? Est-ce qu'il y a un Dieu? He answers prayer. Il répond aux prières. Amen. Amen. From this day forward, he answers your prayer. Dès maintenant, il répond à tes prières. Right? You have to expect that. Vous devez vous y attendre. We live in expectation. Nous vivons dans l'attente. We don't live in hope. On ne vit pas dans l'espoir. No, hope is something off in the distance. L'espoir c'est quelque chose de distant. It's a good thing. C'est you une see bonne it. Chose you see d'avoir it way l'espoir. Down there, you wait. But I live in expectation. Mais moi, je vis dans l'attente. Je m'attends à ce que cela se passe maintenant. Last night I prayed with you. Hier, j'ai prié avec vous. Pour ceux qui étaient malades, et je m'attends à ce que cette semence est en train d'agir en vous maintenant. What if? What if? Et si? What if? Et si? What if? Et si? Who cares what if? Mais peu importe et si. Scripture tells us. Les Écritures me disent. That God delights in us. Que Dieu se réjouit en nous. In the desires of our heart. Et dans les désirs de notre cœur. And forget not all of His benefits. Et il n'oublie aucun, il n'y a aucun de ses bénéfices. There's benefits in being a Christian. Il y a des bienfaits à être chrétien. Forgives all our sins. Il pardonne tous nos péchés. Wow. No guilt. Aucune culpabilité. No shame. Aucune honte. No lack. Aucun manque. No fear. Aucune peur. Wow. Forgives all of our sins. Il pardonne tous nos péchés. That's what it says. Et c'est ça qu'il dit. Et heals all of our diseases. Il guérit toutes nos maladies. Forgives. Il pardonne. And heals. Et il guérit. Forgives. Il pardonne. And heals. Et il guérit. Well, what if he doesn't? Mais et s'il ne le fait pas? How can he not? Mais comment est-ce qu'il ne le ferait pas? He sent his son to bleed and il die. A envoyé son fils pour saigner et mourir. To be whipped on his back. Pour être battu dans son and dos. And when he looked up at his last words were, It is finished. Et ses derniers mots étaient c'est accompli. Even after all the pain and the suffering, Jesus et même après toute la douleur et la souffrance, Jésus n'a pas abandonné until he knew jusqu'à ce qu'il sache you que were paid vous, in full. Vous avez été racheté entièrement. So you donc toi, can be like him tu peux être comme lui. When you are on this earth, quand tant que tu es sur cette you terre, are the voice of Jesus. Tu es la voix de Jésus. You are the power of tu God. Es la puissance de Dieu.
You are his vision. Tu es sa vision. He paid for you in full. Il a payé pour toi entièrement. I don't care what the devil says. Peu importe ce que le diable dit. I don't care what your past says. Peu importe ce que ton passé dit. I don't care what people say. Peu importe ce que les gens disent. I don't care what family you were born in. Peu importe la famille dans laquelle what tu es né. What nation you were la born. La nation. I say you are from heaven. Je dis que tu viens du ciel. And a new creature. Et une nouvelle, tu es une nouvelle créature. Did you get that? Est-ce que vous avez compris cela? Now we can start. Maintenant, on peut commencer. Hallelujah. Hallelujah. You got to be happy. Vous devez être content. Oh my goodness. I have so many stories of people who tellement d'histoires were committing suicide. De personnes qui allaient commettre le suicide. I can't tell. I would say, Kevin, I want to hear a couple suicide stories. Vous pouvez me dire, Kevin, je dois entendre quelques histoires de suicide. And I can't say do what I've done. I cannot tell you do what I've done. Et je ne peux pas vous dire faites ce que j'ai fait. I was pretty wild when I was younger. Moi, j'étais vraiment sauvage quand j'étais jeune. Out of curiosity. Par curiosité, I want to work with the cannibals. Je suis allé travailler avec des cannibales. It was the happiest day when I got out of there. C'était le jour le plus heureux de ma vie, le jour où je suis parti de là. But 400 cannibals got saved. 400 cannibales ont été sauvés. And baptized. Et baptisés. In the river. Dans la rivière. Yeah. It was okay. It was kind of funny. Would you tell you some c'était vraiment drôle. Funny stories about the cannibals. C'était une drôle d'histoire, vraiment, ces cannibales. They asked me, After three days of walking in the mud, I finally arrived. Après trois jours de marche dans la boue et tout pour arriver and là où j'étais. I knew it was I was there because they had a little not this is a big tent. They ici, had a little tent. Ici on a une grande tente, and mais eux ils avaient une petite tente et c'est dans cette tente que les réunions devaient se passer. Even before I had a tent ministry, I was in tents. Et donc avant même de commencer notre ministère de tente, j'étais déjà dans les tentes. So they had 20 old ladies about 80 years old and donc, they were my caregivers. Ils avaient une vingtaine de dames, de vieilles dames qui étaient, en fait, c'est elles qui donnaient les soins. So they put me in a room with all these old women. Alors ils m'ont mis dans une pièce avec toutes ces vieilles dames. And they said, these women are here to meet any need of yours. Et ils m'ont dit, ces femmes sont là si tu as n'importe quel besoin. I said, I don't know what need they're going to meet. Et je dis, mais je ne sais pas quels vont être les besoins. So I'm just sitting around with them. Alors j'étais assis. And then they called me and they said, we want you to come out and bless the food. Alors ils m'ont dit, nous voudrions que tu viennes bénir le repas. Well, I'm used to praying over the food. Oui, j'ai l'habitude de prier pour le repas. So I said, sure, I'll come. Donc je dis oui, je vais venir. So I go outside, and there is a sow. You know what a sow is? A sow, a giant pig. Un sanglier. You know, a big donc big un pig. Grand sanglier. Enough grand. Enough to feed us all. Suffisamment grand pour nourrir tout le village. And he's acting like a pig. Et vraiment qu'il se comporte comme un cochon. Quoi. And I said, okay, I'll bless him. Je dis, ok, je vais le bénir. they handed me a machete. Et ils ont pris une machette, ils m'ont donné une machette. This is how we bless our pigs. Et ils m'ont dit, voici comment nous on bénit nos cochons. You gotta cut his throat. Tu dois couper son cou. So this is different for me. Et je dis, oui, eh bien, pour moi, c'est différent. As long as it's his throat, not my throat, I'm okay. Du moment que c'est sa gorge à lui et pas ma gorge, ça va. So that was the ceremony. Et donc c'était la cérémonie. Il fallait, in Jesus' name. Au nom de Jésus, paf, il fallait couper. Die. Meurs. So then they cooked them. Donc je l'ai laissé le préparer. And nobody would eat until I ate. Et personne ne mangeait tant que je n'avais pas mangé. And so et donc, I'm waiting for this food. You know, j'attendais le repas. And finally, et puis finalement. Ça arrive. And it's all fat. Fat is the most precious part of the food. La graisse. Et cette graisse est la partie la plus spéciale all de l'animal. Fat. Toute la graisse. And they didn't take the hair off. Et ils n'ont pas enlevé la tête. Like one of those les meals, poils, pardon. Like one of those meals you gave us, Claire. Comme un de ces repas que tu nous as servi, Claire. Non, I'm teasing. Claire is a great cook. She's right Claire, here. C'est une grande cuisinière. But a big piece of un grand morceau de graisse. And I'm looking at it. Et je regarde. I'm saying, ladies. Et je dis, mesdames. Has God ever spoken to you? Est-ce que Dieu vous a jamais parlé? I said, no.
Elles disent non. God just spoke to me. Dieu vient juste de me parler. They said, what did he say? What did he say? Et ils disent, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? He said, il a dit, better to give than to receive. C'est mieux de donner que so que de recevoir. Alors j'ai coupé le morceau pour qu'elles se partagent. God's calling me to fast right now. Dieu m'appelle à jeûner. Dieu m'appelle à jeûner en ce moment. Anyway, that's not important. C'est pas important. Unless you work with the cannibals. Sauf si vous allez travailler avec des cannibales. There is a funny thing that if you ever go back to that mountain. Il y a une chose qui est assez intéressante si vous allez dans leur montagne. That you'll know I was there. You will know I was there. When you, if you ever go to that mountain where I was, you will know. Okay, si vous allez dans cette montagne où moi j'étais, vous saurez. This is the mountain Kevin was in. Que c'est la montagne dans laquelle j'ai été. Ah, vous saurez que j'ai été là. How will you know? Comment vous le saurez? Right before I left, they wanted me to dedicate their children. Juste avant que je parte, ils voulaient que je puisse faire une dédicace pour leurs enfants. So I said, well, give me the first baby. Donc je leur ai dit, donnez-moi le premier bébé. It's a boy. C'est un garçon. So I said, what's his name? Alors j'ai dit, c'est quoi son nom? His name is Kevin. Son nom, c'est Kevin. Okay. Okay. I said, okay. Well, Lord, I dedicate Kevin. Seigneur, je te dédie Kevin. Give me the next child. Donnez-moi le prochain nom. What's his name? C'est quoi son nom? Kevin. I said, Lord, I dedicate Kevin to you. Alors j'ai dit, Seigneur, je te dédie Kevin. The next child. Le prochain. What's his name? Quel est son nom? Kevin. Lord, take care of Kevin number three. Prends soin de Kevin 3. Give me the next child. Donnez-moi le prochain. What's his name? C'est quoi son nom? Kevin. Kevin. Give me the last child. There are five of them. Give me the last child. Donnez-moi le dernier. Il y en avait cinq. Don't tell me his name's Kevin. Ne me dites pas son nom. C'est Kevin. Yes, it is. Kevin. Oui, c'est Kevin. Five different women, five cinq, different families. Cinq familles différentes, tous les enfants, s'appellent Kevin. I said, can I ask you a question? Je dis, est-ce que je peux poser une question? Why is his name all their names? Why are they named Kevin? Pourquoi est-ce que tous les noms et tous les bébés s'appellent Kevin? Because we don't have a V in our vocabulary. Parce que nous dans notre vocabulaire on n'a pas de V. We can't call him Kevin. On peut pas l'appeler Kevin. We only have B's. On a juste des B. Kevin. Alors Kevin. So when you go to the mountain where there are cabins, I was there. Donc si vous allez dans une montagne et vous voyez plein de cabines, ça veut dire que j'étais là. Oh golly. Listen. Écoutez. Your I am who you are. Votre je suis qui vous êtes. When you read. Quand vous lisez. How did Jesus know who he was? Comment est-ce que Jésus a su qui il était? Huh? How many preachers are here? Combien de prédicateurs sont ici? How did Jesus know who he was? Comment est-ce que Jésus a su qui il était? What did he say? He found it in the scripture. Ah, there's a man. Ah, voici un homme. Teach some of these other people. Listen, Luke 24. Dans Luc 24, 25 à 27. Then Jesus said to them, Jésus leur a dit, O foolish men and slow of heart to trust and believe, hommes lents à croire et à faire confiance, in everything that the prophets have spoken, en toute chose, tout ce que les prophètes ont dit, was it not necessary, est-ce que ce n'était pas nécessaire, for the Christ to suffer, que le Christ souffre, these things, qu'il endure ces choses, and only then, et seulement alors, to enter his glory, il pourra entrer dans sa gloire. Then beginning with Moses, et à partir de Moïse, and throughout all the writings of the prophets, et à travers tous les écrits des prophètes, he explained, il leur a expliqué, and interpreted for them, et interprété, the things, les choses, referring to himself, qui avaient un rapport avec lui, found in all scriptures, qui se trouvaient dans toutes les écritures, found, qui se trouvaient, say this with me, dites avec moi, trouvés, found, trouvés, in all scriptures. Dans toutes les écritures. Listen.
écoutez. Jesus was reading the same Bible you're reading. Jésus lisait la même Bible que vous lisez. But you have a better Bible. Mais vous avez une meilleure Bible encore. Because it has the book of Acts in it. Parce qu'il y a le livre des Actes à l'intérieur. And it has the Acts of the believers. Et ça contient les Actes des croyants. So you have a plus plus. Donc vous avez un plus plus. And you should find in every page something. Vous devriez trouver dans toutes les pages, dans chaque page, about you. Quelque chose qui vous concerne. Say this with me. Dites avec moi. On every page. Dans chaque page. I will find something. Je trouverai quelque chose. About me. À mon sujet. Write it down. Écrivez cela. And say it to yourself every day. Dites-vous ça tous les jours. Jesus. Jésus. He was called a Galilean. Était appelé Galiléen. That's like Jesus is from the ghetto. C'est comme si on disait Jésus vient du ghetto. The Galileans were the low life. Les Galiléens c'était vraiment la basse classe. They were the ones that were despised and rejected. Ils étaient méprisés et rejetés. But Jesus was called the Galilean. Mais Jésus était appelé le Galiléen. It doesn't matter what society calls you. Peu importe ce que comment la société vous nomme. Society of heaven says you are the kings and the queens. La société du ciel dit que vous êtes des reines et des rois de ce monde. I was in London. J'étais à Londres. And Leslie and I said, well, let's look at that Parliament Hall there. Et Leslie et moi nous avons dit, allons voir le Parlement, la salle du Where Parlement. They make all the decisions. Là où ils prennent toutes les décisions. It's not Winchester, it's Westminster. Westlands. Yeah. So there's a long, long line to go into Westminster. Il y a un long chemin pour aller à cet endroit. So we said, well, we got a day off. Donc on s'est dit, ok, on a une journée de libre. Donc faisons la file. Donc il y a une longue file pour pouvoir entrer dans le bâtiment. How many have ever been to England? Combien d'entre vous sont allés en Angleterre? Westminster. Westminster. Yeah. L'abbaye Westminster. Have you seen the lines? Have you ever seen the lines? Le Parlement. It's like 4 hour line. Donc ça prend 4 heures. Il y a une file. En fait, il y a plein de gens, donc il y a une longue file. Vous pouvez rester dans la file 4 heures. Let's stand in Et moi, line. Je dis ok, on reste dans la file. It's the only way to get in. Et donc nous avons attendu pour pouvoir entrer. So we're just standing there Et nous étions là, nous attendions. One person by une one. Personne par une, une par une, une par une. And then, Et puis, after about 10 minutes, après environ 10 minutes, an old man, un vieil homme, hunched over, qui était comme ça, courbé, he walks up to us. Il marche vers nous, il vient. He said, "Do you, Et il dit, do you want to go voulez-vous into aller, Westminster? Voulez-vous entrer?" He's just an old guy like c'était vraiment this. Un vieil homme comme ça. I said, looked at Leslie, said, "Yeah, we want to go, that's why we're alive." Oui, oui, on veut y aller. Okay. Come, follow me. Venez, suivez-moi. I'm like, Et moi, je suis... Okay. Okay. Honey. Chérie. This could be a bad idea. Ça peut être une mauvaise idée. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Mais faisons-le. So this guy stumbling along. Et donc on a suivi ce monsieur. We're walking past hundreds and hundreds of people. Et donc on a dépassé des centaines et des centaines de personnes. And I'm looking at my wife. Et je regarde ma femme. Do you think this guy is crazy? Do you think this guy is crazy? Tu crois que ce monsieur est fou? We get up to the police. Et nous sommes arrivés jusqu'aux gardes, aux policiers. They got the guns, you know. Ils avaient leur fusil. Let's back up a little bit. Et je disais, allez-y, viens, on recule un peu. He's crazy. Recule un peu. Peut-être ce monsieur est fou. Je suppose qu'il est fou. They might arrest him and arrest us too. They might arrest. Peut-être qu'ils vont nous arrêter. Et donc. He just talks to the guards. Et donc il s'est arrêté devant les gardes. Turns around. Il s'est tourné. Follow me. Suivez-moi. So the guards let us in. Et puis les gardes l'ont laissé rentrer. He takes us to Parliament in session. He takes. Il nous a fait rentrer dans une session du Parlement. And he says, "Do you want anything to say?" Et il m'a dit, vous voulez dire quelque chose au Parlement? Is there anything you want to say? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire au Parlement? I said, "Now I think he's crazy." Et je dis, maintenant je pense qu'il est fou. And he says, I said, "Well, if you're going to say something, yeah." Il dit oui, si vous voulez dire quelque chose, allez-y. I asked him a question. I said, "Use this question." Et il m'a dit, utilise cette question. Well, je lui avais posé une question. Il m'a dit, tu peux utiliser cette question pour leur parler. I didn't know who he was. Je savais pas qui c'était.
he took us before he went into the Parliament Hall. He took us to the museum. Donc avant de nous faire entrer dans la salle du Parlement, il nous a amené au musée. We look at all these old pictures. Et on regardait toutes ces vieilles images, photos. He says, "See that Lord there?" Il a dit, vous voyez ce Seigneur là? They call him Lords. Il appelle ce personnage Seigneur. Il dit, me dit, tu vois ce Seigneur? Je dis oui. That's my great grandfather. Il me dit, ça c'est mon grand-grand-père. See that one over there? Et tu vois celui là ici? That's my grandfather. Ça c'est mon grand-père. See that one over there? Tu vois celui ici? That's my father. Ça c'est mon père. You want to see my picture? Tu veux voir ma photo? This guy is. Cet homme. Is one of the lords. C'était l'un des seigneurs. And he's taking us around. Et il nous a fait visiter. He went down on the floor. Il est descendu. And he asked my question to the people who were taking it publicly. Et donc il est allé dans le Parlement et puis il a posé la question que je lui avais donnée. Il a posé publiquement. This is, would you like to eat with the other lords? Ensuite, il m'a dit, est-ce que vous aimeriez manger avec les autres seigneurs? Why not? Pourquoi pas? I deserve it. No, I don't. Est-ce que je le mérite? Non, je ne le mérite pas. But maybe I do. Mais peut-être que je le mérite. So he took me into the house of lords. Donc, il m'a amené dans la maison des seigneurs et nous avons mangé là. I said, is there anything else you'd like to see? Et il m'a dit, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez voir? Whatever you got. Je lui ai dit oui, tout ce que vous voulez nous montrer. Et donc il nous a fait visiter. Il nous a dit il y a une cérémonie spéciale. Et normalement les gens ne sont pas permis d'assister à cette cérémonie. Est-ce qu'il y a des Anglais ici? It's where they pass like a jewel or something, or a gold hat, a hat or something. Donc c'est comme un gros chapeau en or, c'est comme un bijou en fait qui est transféré. It's a ceremony of passing. C'est vraiment une cérémonie de transfert de ce chapeau. And the people are not allowed to see. Et les gens ne sont pas autorisés à voir ça. But the lords can see it. Mais les seigneurs peuvent. Donc il nous a fait rentrer pendant la cérémonie. Et il m'a dit maintenant ils vont faire le passage, le transfert. C'est un transfert d'autorité. And so they do it as an honor to the authority. Et ils le font donc en honneur pour honorer des autorités. And we're looking at it. Et on regardait à cela. I said, how many people see this? Et je lui ai demandé combien de personnes voient ça. Nobody. We don't allow them to see this. On ne permet à personne de voir ça. I said, listen. Je lui ai dit, écoute. I said, oh, you're treating us very nice. Je lui ai dit, mais tu nous traites vraiment d'une très bonne façon. There's a thousand people in line. Why did you pick us? Il y a des milliers de personnes qui font la ligne. Pourquoi tu nous as choisis? He says, il a dit, I'm going to die someday. Je vais mourir un jour. Before I die. Avant de mourir. I wanted to expose somebody to what I see. Je veux exposer à quelqu'un, je veux pouvoir exposer à quelqu'un ce que je vois. I don't know why I picked you. Je ne sais pas pourquoi je vous ai choisi aujourd'hui. I just was walking down that long line. J'étais juste en train de parcourir cette longue file et je me disais qui est-ce que je dois choisir qui? And when I walked past you, et quand je suis passé à côté de vous, en moi je me suis dit c'est vous. So listen. Donc écoute. That was a nice little experience. C'était vraiment une belle expérience. But it really is how God sees you. Mais c'est vraiment comme ça que Dieu vous voit. If you check the scriptures, you are the lords and the queens. Si vous regardez dans les écritures, vous verrez que vous êtes des seigneurs et des reines. And he has called you. Et il vous a appelé. And he has separated you from the crowd. Il vous a mis à part, il vous a mis séparé de la foule. And he put a destiny inside. Et il a mis une destinée à l'intérieur d'entre vous. And he put a path ahead of you. Et il a mis un chemin, créé un chemin devant vous. And he will cause another lord to help. Et il va faire en sorte qu'un autre Seigneur puisse t'aider. Until you get established. Jusqu'à ce que tu sois établi. Amen. Amen. So expect that. Et donc attends-toi à cela. Let that be your expectation. Que cela soit ton attente. You're not in this alone. Tu n'es pas tout seul. You have been created in the righteousness of God. Tu as été créé dans la justice de Dieu. Without guilt, without shame. Sans culpabilité, sans honte. What do you do if you're the righteousness of God? Qu'est-ce que tu fais si tu es la justice de Dieu? You throw your shoulders back. Tu relèves les épaules. You hold your chin up. Tu lèves la tête. You walk with dignity. Tu marches avec dignité. You speak with authority. Tu parles avec autorité. You know who you are. Tu sais qui tu es. You know where you're going. Et tu sais où tu vas. You know what you have. Tu sais ce que tu as. You have all the power of God. Tu as toute la puissance de Dieu. Everything that Jesus had. Tout ce que Jésus a. Is now yours. Maintenant, c'est à toi. You say, well, how do I know that? Comment est-ce que je sais ça? Well, some know it quicker than others. Certains le savent plus rapidement que d'autres. The
say royal. It's not royal. It's the what's the name of it? It's a soldier. Le soldat. Who wanted to have his servant healed. Le soldat qui voulait que son serviteur soit guéri. And Caesar's servant. C'était un serviteur saisonnier. He looked at Jesus. Il a regardé le centurion. He said, Jesus, il a regardé Jésus. Just say the word only, and my servant shall be healed. Il a dit juste une parole et mon serviteur sera guéri. For I am a man under authority. Car je suis un homme sous autorité. And I say to this soldier, do it, and he does it. And to et quand je dis à ce soldat, fais ceci, il le fait. À celui-là, fais cela, il le fait. Whatever I say, tout ce que je dis, those soldiers will do. Ces soldats le font. And you, et toi, whatever you say, tout ce que tu dis, in the realm that you represent, dans le domaine, le royaume que tu représentes, I represent war. Je représente la guerre. I represent soldiers. Je représente les soldats. You represent the spirit. Tu représentes l'esprit. I see that. Je vois cela. Whatever you say, ce que tu dis, happens, se produit, in the spirit, dans l'esprit. Say, my servant, sauve mon serviteur. Dis que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas besoin just de venir. Say he is tu as juste besoin de dire qu'il soit guéri. Jesus looked at him, Jésus l'a regardé. Said, from this moment forward, your et servant à dire, is en healed. Ce moment même, à partir de ce moment, ton serviteur est guéri. Go your way. Retourne chez toi. The followers, the disciples of Jesus, were shocked. Les disciples de Jésus étaient choqués. You're paying attention to a soldier? Tu prêtes attention à un soldat? You're answering a soldier's prayer? Tu réponds aux prières d'un soldat? No, I'm answering a soldier's faith. Non, je réponds à la foi d'un soldat. I'm answering a soldier's understanding. Je réponds à la compréhension d'un soldat. What is faith? C'est quoi la foi? Faith is knowledge. La foi, c'est la connaissance. What do you know? Qu'est-ce que tu what sais? What do you know? Qu'est-ce que tu sais? You are the evangelist of tomorrow. Tu es l'évangéliste de demain. What do you know? Qu'est-ce que tu sais? How are you going to talk? Comment vas-tu parler? What's your authority? Quelle est ton autorité? Are you using that authority? Est-ce que tu utilises cette autorité? Where does that authority come from? D'où vient cette autorité? When are you going to start using it? Quand vas-tu commencer à l'utiliser? When I met Jesus, quand j'ai rencontré Jésus, he appeared into my room. Il est apparu dans ma chambre. He came up to me. Il est venu he à said, moi. What are you going to do with the rest of your il life? M'a demandé, que vas-tu faire le reste de ta vie? I already had great jobs. J'avais déjà un travail formidable. Friends. J'avais des amis. Money. De l'argent. Everything. J'avais tout. Except for one thing, inside sauf my une seule heart. Chose dans mon cœur. I had these words. J'avais ces paroles. Is this all there is? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? All the friends, all the money, all amis, the prestige. Is this all l'argent, le prestige, est-ce que c'est tout ce qu'il y a? My heart was still bothering me. Mon cœur me dérangeait encore. Until I met Jesus. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. And then he said to me, et out of my belly, dit, I said, I'm going to gather and collect dead bodies. C'est sorti de moi. J'ai entendu la réponse. Je vais rassembler des corps morts. And pump on old hearts. Et je vais pomper des corps qui ont vieilli. Des cœurs qui ont vieilli. Where does that come from? Et puis j'ai été étonné moi-même de ma why réponse. Did I say that? D'où ça vient? Mais pourquoi j'ai dit cela? And then he showed me all my books. He said, et alors il m'a montré tous les livres qui throw, étaient dans... keep, throw. Il m'a dit, ça tu gardes, ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu jettes. Jesus knows everything about you. Jésus sait tout en ce qui te concerne. Well, I'll speed forward. Donc je vais aller plus vite. And, I said to him, I said, Jesus, et je lui ai dit, Jésus, I've got to make a decision on this next job. Je dois prendre une décision maintenant sur ce travail. And I said, if you don't tell me which one, I'm picking myself. Si tu ne me montres pas quoi choisir, je choisis moi-même. I had 7 job opportunities. J'avais 7 opportunités d'emploi. 3 days to pick. Et il me restait 3 jours pour choisir. I woke up on that third day. Alors le troisième jour, je me suis levée. And inside of me. Et à l'intérieur de moi. These words were bubbling up. Ces mots-là venaient Spain. En moi. Madrid, Spain. Madrid, Espagne. Madrid, Espagne. Madrid, Espagne. Madrid, Espagne. I said, I'm laughing. I'm laughing on the inside. Et puis, like, à l'intérieur de no moi, no way, Jesus. Je riais no et way. Je disais jamais, Jésus. Don't you know? Impossible. Est-ce que tu ne sais pas? I flunked Spanish. J'ai. I flunked. I failed Spanish. J'ai échoué en Espagne. L'espagnol, j'ai joué l'espagnol. And he said, Madrid, Spain. Et ça continue, Madrid, Espagne. I said, no way. Et je disais, impossible. I don't know anybody there. Je ne connais personne là-bas. Madrid, Spain. Madrid, Espagne. I said, let's make a deal. OK, faisons un deal. I said, I'll go to Mexico. Je vais aller au Mexique. He goes, Madrid. Madrid, Espagne. I said, I'm not going to help you. Je dis, non, je ne vais pas t'aider, Jésus.
That's going to cost money. I'm not going to. Ça va coûter de l'argent. J'ai pas. Je vais pas le faire. So, 2 weeks later, my brother. Deux semaines plus tard, mon frère vient. And he says, Kevin, would you do me a favor? Et il me dit, Kevin, est-ce que tu peux me faire une faveur? I said, yeah, I'll do you a favor. Je dis oui, je peux te faire une faveur. I'll say yes. J'ai dit oui. But you got to first tell me what is it. Mais tu dois d'abord me dire de quoi il s'agit. He says, well, I have a commitment paid in full. Et il a dit, j'ai en fait un engagement et c'est, ça a déjà été payé. Food, housing, everything. Le logement, la nourriture, tout. And I can't go. Mais je peux pas y aller. I need to send a McNulty in my place. J'ai besoin d'envoyer un McNulty à ma place. To Madrid, Spain. À Madrid, en Espagne. And I said, okay, I'll go. Je me suis dit, okay, je dois partir. Listen. Écoute. There's a Madrid, Spain in your future. Il y a un Madrid, Espagne dans ton futur. There's a voice that's speaking to your heart. Il y a une voix qui parle dans ton cœur. There's a next step. Il y a une prochaine étape, un prochain pas. Right now. Maintenant. Raise your hands. Lève ta main. Say, Lord Jesus. Dis, Seigneur Jésus. I believe. Je crois. That you are my Lord. Que tu es mon Seigneur. And I am a Lord on this earth. Et je suis un Seigneur sur cette terre. You have made me royalty. Tu as fait de moi une royauté. And I walk with royalty. Et je marche avec des royautés. I think with royalty. Je pense comme une royauté. I expect as royalty expects. Je m'attends à des choses comme un roi s'attend. Everything in my future you have paid for. Toute chose dans mon futur tu as déjà payé pour cela. I choose it today. Et je choisis aujourd'hui. Every idea. Toutes les idées. Every opportunity. Toutes les opportunités. Every person. Toutes les personnes. I am about your business. Je m'occupe de tes affaires. And you are directing me. Et tu me diriges. Here in Belgium. Ici en Belgique. In the regions. Dans les régions. Then in Europe. Et ensuite en Europe. Then in the world. Et ensuite dans le monde. And you are directing every step. Et tu diriges tous les pas. And you have already provided. Et tu as déjà pourvu. You provided for a billion years. Tu as pourvu pour un milliardaire. Surely you have provided for 100 years. Tu as pourvu pour des milliers d'années, donc assurément tu peux pourvoir pour des centaines d'années. From this day forward. À partir d'aujourd'hui. I say. Je dis. I am provided for. Tout a été pourvu pour moi. And I am going someplace. Et je vais quelque part. Amen. Amen. Hallelujah. I want to let you know that I traveled around the world with a dollar bill for 10 years before I met my wife. Je veux vous dire que j'ai fait le tour du monde avec juste un dollar avant de rencontrer ma femme pendant 10 ans. After we got et après married, que nous nous soyons mariés, we paid all of our bills, nous avons payé toutes nos factures, sold our car to pay all the bills, nous avons vendu notre voiture et payé toutes nos factures, had $1 left, et il nous restait $1. And two tickets et deux billets to the Far East. Pour aller à l'Est. I said, honey, et j'ai dit, chérie, we're married now. Maintenant nous sommes mariés. J'ai dit... You can go with me. Tu peux me suivre. I'm leaving. Moi, je m'en vais. But I don't want you to leave. Mais je veux pas que tu. If you're going to be grumpy. Si c'est que tu vas ronchonner. Grumpy, what's that? Ronchonner. Ronchonner. You know, don't complain. Ne te plains pas. I can't tell you what's going to happen. Je ne peux pas te prévoir, dire tout ce qui va se passer. But I'm not afraid. Mais moi, je n'ai pas peur. God is my provider. Dieu est celui qui va pourvoir. C'est celui qui pourvoit. We have $1. Nous avons $1. I'll give you 50 cents. Je vais te donner 50 cents si tu viens avec moi. Now you gotta realize. Maintenant tu dois réaliser. That both my wife and I are former professional or semi-professional athletes. Vous devez réaliser que ma femme et moi, chacun d'entre nous, nous sommes des athlètes professionnels. And you always take a challenge. Et c'est toujours vraiment une histoire de défi. It's in your blood. C'est vraiment dans notre sang, les défis. So she goes, I'm getting on that plane with elle m'a dit, je monte dans l'avion avec toi. What would you do? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec 50 cents? You're going to an unknown place. Tu vas dans un pays que tu ne connais pas. Another remote place. Dans un endroit lointain. We got on the plane. Nous sommes montés dans l'avion. The plane's going through Detroit over to Japan, then down from Japan l'avion to the mountains. A traversé Détroit, puis le Japon, puis les montagnes. To the mountains of the Philippines. Et les montagnes de la Philippine. That's where I met the cannibals. Et c'est là que j'ai rencontré les cannibales. I didn't tell her that.
Je ne lui ai pas dit ça. But we got up, both got on the plane. Donc nous sommes allés dans le first stop, Detroit. Donc premier, donc quand nous avons pris l'avion, le premier à rester de Détroit. When we got off the plane. Et nous sommes sortis de l'avion. There was an announcement in the airport. Il y avait une annonce qui a été passée à l'aéroport. There are 1,000 Japanese in the hotel. I mean, in the airport. Il y a 1,000 Japonais dans l'aéroport en ce moment. They need to be a sunrise holiday in Japan tomorrow. Ils doivent être au Japon au lever du soleil demain. Everybody who's leaving for Japan right now. Toute personne qui prend l'avion pour le Japon. We'll give you $800. On vous donnera $800. And a night at a five-star hotel. Et une nuit dans un hôtel 5 étoiles. If you will give us your ticket, we will send you there in 24 hours, but not today. Si vous pouvez échanger votre ticket et donc vous attendez, vous ne partez plus aujourd'hui, mais on vous met à l'hôtel et $800. Man, did I run? Amen. Alors j'ai couru. I got those tickets. Et je suis allé donc échanger pour avoir ces tickets. And then I got the money. Et j'avais l'argent. Woo! You got it. Tu l'as. I got it. Je l'ai. Expect it. Attends-toi. Live it. À cela, vis-le. Talk it. Parle ce langage. Pense à ça. He's alive. Il est vivant. Hallelujah. Alléluia. We love you. Nous vous aimons. We'll see you again. On vous reverra encore. That's page 3. Ça, c'est juste la page 3. And don't forget. N'oubliez pas. You gotta, I'm not gonna make copies. Je ne vais pas faire des copies. But you bring your own copy Mais tomorrow. Amenez votre propre copie demain. Why? Pourquoi? How many hours do you have? Combien d'heures est-ce que vous avez? 28, 32, 24, 32, 50, 50? 24. Non, 24. Today you got 24 hours. Aujourd'hui, vous avez 24 okay. heures. The president of the United States has 24 hours. Le président des États-Unis a 24 heures. The leader of Belgium has 24 hours. Les leaders de la Belgique ont 24 heures. The guy who runs China with all those billions of people has 24 hours. Ce gars qui conduit la Chine, il avec tous ces millions de personnes, il a 24 heures. You choose what you're going to do with that 24 hours. Tu dois choisir ce que tu vas faire pendant ces 24 heures. Tous les jours, tu dois choisir. You choose what are your highest, the most important things. Qu'est-ce qui est le plus important? You choose your second most important. Tu dois choisir les choses, les premières choses les plus importantes, les deuxièmes. The people that you're going to contact. Les personnes que tu dois contacter. You choose all the other necessary things that you want to see that day. Tu dois choisir toutes les autres choses nécessaires que tu dois faire. You plan your schedule for the next 3 months. Tu dois planifier ton programme pour les 3 prochains mois. And you keep looking at it. Et tu continues à le consulter. Or you just wait there and say God wills whatever happens. Ou alors tu attends juste et tu te dis oh oui, Dieu voulant quoi qu'il se passe se passe. But that doesn't move God. Mais ça ne fait pas bouger Dieu. I don't think you ever got somebody saved by just sitting in your room. Je ne crois pas que tu as jamais waiting. Eu quelqu'un qui a été sauvé juste en restant assis dans ta chambre en attendant. You went out. We're non, going out. We're going out nous into sortons. The world. Nous sortons dans le monde. Five. When I next time I see you, I want to see at least the beginning of 4 of the 9 regions that are in Belgium. La prochaine fois que je vous vois, je veux pouvoir voir le commencement donc de ces 9 équipes pour les 9 régions de la Belgique. When you talk to people about it, quand tu parles aux gens de cela, it's just a one piece. C'est juste une partie, une of your pièce bigger plan. De ton plan plus grand, d'un plan plus grand. You talk to people. Toi, tu parles aux gens. They're not interested in the one piece. Ils ne sont pas intéressés juste They're à. Interested in the bigger plan. Quand tu leur parles juste d'un petit truc, mais eux, ils veulent la grande When we talk image. About your event, quand on parle de son événement, we're not talking about that event. On ne parle pas seulement de cet événement. We're talking about France. On parle de toute la France. How to reach it. Comment atteindre la France. Think big. Pense grand. Talk big. Parle grand. Plan big. Planifie grand. Ask big. Demande grand. Because all those people working, parce que toutes ces personnes qui travaillent, they're wasting their time. Ils perdent leur temps. If they're not investing in the kingdom of God. S'ils n'investissent pas dans le royaume de Dieu. Because what's a couple years on earth? Parce que c'est quoi quelques années sur terre? You got your the balance is billions of years ahead of you. Il y a des millions, des milliards d'années qui t'attendent devant toi. Think big. Donc Think comparé big. Au temps que tu vas passer sur terre. Only you can do it. Il n'y a que toi qui peux le faire. God bless you. Que Dieu te bénisse. Thank you, Kevin. Very much. You must finish it your message about cannibals. Yeah, we won't know about cannibals. You won't?
know this story. It's super story. In the next time, we are wait. Okay. Now we do it break. And non, you can.